Projidec ONG, dans son engagement en faveur de l'environnement, de l'hygiène et de la santé pour tous, s'est rendu ce vendredi 24 novembre 2023 au CG à Coreja afin d'organiser en différé la Journée mondiale des toilettes édition 2023 qui a pour thème « Accélérer le changement ». Cette initiative vise à sensibiliser les élèves à l'importance de l'hygiène et de l'assainissement, contribuant ainsi à créer un environnement éducatif sain et propice à l'apprentissage. Trois temps forts ont ponctué l'événement. Tout d'abord, une communication intensive sur le thème crucial de la gestion des toilettes et de l'hygiène, mettant en lumière l'importance vitale des toilettes propres pour un avenir plus sain. Cette communication a été assurée par le chef division environnement de la mairie de Comé pour sensibiliser et éduquer, car la connaissance est la clé du changement. Ensuite, il a été orchestré avec succès les opérations de nettoyage et de maintenance des latrines existantes par les élèves ayant pris part à la communication. La propreté des installations sanitaires est essentielle pour préserver la santé. Enfin, la remise à l'administration du dit collège d'un bloc de 4 cabines de toilettes réfectionnées et 3 dispositifs de lavage de mains par Projidec. Ces installations modernes visent à répondre aux besoins sanitaires urgents, offrant des infrastructures adéquates pour garantir une hygiène optimale. Pour ce temps fort, je vous promets, et au nom de mes apprenants, que nous allons en faire un bon usage. Je remercie l'ONG Projidec au nom de tous les élèves du CG à Coreja de nous avoir aidés et d'avoir renouvelé notre WC. Et nous vous promettons devant tous les membres de l'établissement et tous les membres de l'ONG que nous allons faire bon usage de cette toilette que vous nous aviez renouvelée. Les bénéficiaires en sont contents. L'ONG mène ses activités depuis plusieurs années déjà au profit des populations afin de garantir leur santé. Si nous sommes revenus encore ici, c'est vu la collaboration, c'est vu l'ouverture, pas seulement de vous, mais de vos collaborateurs et aussi des élèves qui ont toujours accepté prendre part à nos actions d'éducation environnementale et sanitaire. Ce jour, nous mettons ce joyau à votre disposition. Et je crois que ça sera vous, à votre tour, de mettre à la disposition des élèves. C'est vrai, il y a aussi les DLM qui sont mis à disposition afin que nous ne perdions pas cette manière qui est de pouvoir, au sortir de la latrines, des toilettes, de se laver les mains. Donc voilà ce que nous disons et je crois que tous ceux-là qui étaient avec nous tout à l'heure dans la salle pour la séance de communication, ils ont su, ils ont appris que lorsque nous entretenons nos latrines, c'est pour une vie meilleure, une santé de grand prix. Et je crois que c'est ce que nous allons pouvoir faire en tant que humain, en tant qu'élève, parce que c'est nous qui devons apprendre. Et si nous apprenons ici, au retour dans nos maisons respectives, nous allons pouvoir également l'apprendre à nos parents.